dévorante, une gloire déchue des folles années 30, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était là, figée, superbe et déchirante, les mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes, des mains belles encore, déformées, les doigts nus, comme s'en eut parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, bourdonnait une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous achètent pour les vendre des trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que d'ombres enlacées ont brevé à s'attendre, les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, et les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois, puis deux fois. Alors dans le silence, elle cria: je prends, je rachète tout ça. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était déjà trop tard dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Elle vit s'en aller parmi quelques brocantes le dernier souvenir de son amour d'antan. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30 et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir froissés pour un bijou vendu, quelques billets froissés pour un passé perdu. À quand elle sortit de la salle des ventes, je la vis s'éloigner, courbée et déchirante, de son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir aujourd'hui disparu.